Bonjour les filles! Bienvenue à une vidéo YouTube live! Nancy Gauthier, votre démonstratrice Tempenop depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu, il y a 4 heures, alors à 16 heures, j'ai reçu... Enfin non, ce matin, j'ai reçu mon nouveau catalogue. Je l'ai feuilleté, je l'ai liché et à 16 heures... J'ai reçu ma précommande. Alors, j'ai reçu une belle boîte de matériel Stampin' Up que j'avais envie de vous montrer. J'ai commencé à bricoler un petit peu avec. Alors, j'ai presque une dizaine de cartes confectionnées avec ce que j'ai reçu il y a 4 heures. Alors, mon cerveau est en ébullition. C'est ça, je vais commencer, je ne sais pas trop. Mon cerveau est vraiment en ébullition. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue. Bonjour Sylvette! Je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas le feuilleter, je ne peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer ce que j'ai reçu. Je peux vous dire que si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, si vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend des produits Stampin' Up, je suis comme la Madame Tupperware du scrapbooking. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire juste ici en bas et je vous ferai parvenir un catalogue. On s'arrangera pour se contacter en privé pour me donner votre adresse postale. Alors, ça, c'est mon catalogue. C'est pas vraiment ça que vous êtes venu voir. Ce que vous êtes venu voir, c'est des nouveaux produits. Alors, premier nouveau produit que je voulais vous montrer, c'est pas attirant, hein? Oh, je voulais vous dire, j'ai fait une petite publicité mensongère. J'ai marqué dans le titre que ma commande avait été arrivée gratuitement. J'ai menti, elle m'a coûté 8,67. Alors, quand on est démonstratrice Stampin' Up, on a des primes, on a des incitatifs. Alors, pendant la célébration, janvier, février, mars, on avait un incitatif. Et si je me trompe pas... J'ai eu 337 $ de produits Stampin' Up. Je n'ai pas besoin de payer la taxe ni le transport là-dessus. Alors, je me suis donné le défi de ne pas acheter, finalement, de juste utiliser ce montant-là. Alors, finalement, ma commande m'a coûté 8,67 plus le transport, plus la taxe. Là, j'ai payé 25 $ d'extra pour avoir du transport en 2 jours. C'est disponible pour tout le monde. Alors, pas besoin d'être démonstratrice. Disons que vous avez un mariage puis que vous êtes un petit peu dernière minute, vous avez besoin de quelque chose pour finir des cadeaux. Bien, c'est disponible. Ça coûte 25 $. C'est livré en 2 ou 3 jours. Premier produit que je veux vous montrer, ça s'appelle... Du papier de la série Design spécialité or pour toujours. Il y a 6 feuilles de papier coupé au laser. Et là, je m'excuse, il y a du reflet. On le voit pas bien. Alors, regardez là. C'est hyper facile de venir les enlever. Alors, c'est des dies, mais hyper fins que vous pouvez venir chercher. Attendez, je ne veux pas le briser. Et que vous allez pouvoir venir utiliser. Alors, oui, ça brille! Alors, il y a ces formes-là. Attendez, je vais essayer de me mettre sur du blanc. Peut-être vous allez voir mieux. Ah, peut-être mon craft. Ça a l'air de rien, là. Alors, il y a du feuillage. Il y a des cadres déjà, je dirais, effeuillés. Regardez, là. Des cartes déjà effeuillées. Il y a du feuillage ici. Il y en a du évidé. Il y en a du plein. Il y a une grande feuille ici. Des petits feuillages. OK. C'est à licher. C'est brillant. C'est beau, 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 beau. Vous avez 3 feuilles comme ça. Alors, il faut garder le papier de soie. C'est super important parce que vous avez 3 feuilles pareilles une par-dessus l'autre. Et si vous les mettez vraiment une par-dessus l'autre, les petites pointes qui relèvent, là, ils vont s'accrocher une dans l'autre, puis vous allez briser vos papiers. OK? Alors, vraiment, gardez vos petites feuilles de soie pour conserver vos découpes. Alors, il y en avait 3, comme je vous ai montré, et il y en a 3 comme celle-ci. Alors, c'est des cadres prédécoupés au laser encore. Regardez comment c'est beau. Alors, vous avez 18 cadres, parce qu'il y en a 6 fois 3 feuilles. Vous avez 18 cadres. Et, attendez un peu, on va s'amuser.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois 3. Alors, quelque chose comme 42. Feuilles et cadres. Alors, c'est... Et là, j'ai joué avec! Regardez ce que j'ai fait! Regardez ce que ça donne sur une carte! Vous reconnaissez le vœu, il vient de Ravissant Bouquet. C'est mon jeu de temps préféré du catalogue qui s'en va. Alors, ça, à partir du 3 juin, ça ne sera plus disponible. C'est mon jeu d'étampe avec des beaux vœux et des belles fleurs. Et ça, c'est la carte que j'ai confectionnée. Il y a du petit feuillage étampé en arrière. C'est un nouveau jeu d'étampe. Je vais vous montrer ça dans un instant. C'est le premier modèle de carte que je voulais vous montrer. Les petites pierres or que vous avez ici, là, c'est dans la précommande, c'est dans les exclusivités là, qu'on peut commander depuis le début avril. Là. Alors, c'est les petites pierres à facettes or. C'était le premier projet que je voulais vous montrer. Deuxième projet, il a été confectionné avec un nouveau jeu d'étampe qui s'appelle Émotion effeuillé. Vous avez plusieurs feuillages, plusieurs vœux. Alors, ça dit « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Super encouragement. Bonjour, passe-partout. Amour et rire à n'en plus finir. Et puis, à une amie qui me fait sourire. Alors, le jeu d'étampe est nouveau. Il est en caoutchouc. Alors, pour celles qui aiment travailler le caoutchouc. Et c'est les nouveaux caoutchoucs autocollants qui collent super bien sur les blocs d'acrylique. Première carte que j'ai faite. Enfin, non, je suis menteuse. C'est la dernière que j'ai faite. Je vous explique. J'avais 9 cartes et il restait, ma caméra était installée, il me restait 2 minutes 38 secondes. J'avais 9 cartes, je me suis dit, ça m'en prend 10. Alors, j'ai sorti les cartes et notes. Alors, enveloppe et notes, Stampin' Up! Vend des cartes plus petites que ce qu'on fait 8,5-11. Bonsoir, Martine! Alors, c'est plus petit qu'un 8,5-11, c'est déjà pré-coupé, pré-rainuré. Ça vient avec les enveloppes, comme de raison, et j'en ai pris une vanille avec une enveloppe blanche. Mais quand vous achetez une vanille, ça vient avec une enveloppe vanille, puis quand vous achetez une blanche, avec une enveloppe blanche. Ma 2 minutes 34 secondes de faire ma vidéo live, je me suis fait prendre. Alors, j'ai simplement étampé ma feuille avec un vœu, ça prend 2 couleurs d'encre, et moins de 1 minute, parce que j'ai eu le temps de tout nettoyer puis de ranger. On va en rajouter encore un petit peu. Regardez, avec le vœu amour et rire à n'en plus finir. J'ai pris seulement 2 couleurs d'encre. Alors, j'ai une couleur d'encre pour faire le feuillage. C'est la même feuille, juste pas la même couleur d'encre. Et ça, pour avoir 2 couleurs, c'est parce que j'ai étampé sur mon brouillon avant de venir étamper sur ma carte. Les mêmes petites pierres or que j'avais juste ici. Pour celles qui étaient là dimanche soir, alors ici sur YouTube, dimanche soir, j'ai fait une vidéo sur 4 techniques ABC, 4 techniques d'étampage sur un ABC, et c'en est une des techniques d'étampage ABC, faire le tour d'un gros vœu. Alors, vous pourrez aller voir, je ne peux pas vous la montrer là, parce qu'elle est déjà postée. Ça va vite chez nous. Et là, vous allez me dire, Nancy, t'es folle, t'as un quart d'un huitième de pouce dans tes belles grandes feuilles métallisées. Alors, dans une feuille, mais dans un paquet de feuilles métallisées, vous avez 2 feuilles 12-12 et je peux en faire 6. Fait que, tu sais, je peux en faire 12 pour, je pense, c'est 6,95 ou 7,95. Alors, vous allez me dire, je suis folle de dépenser 60 cents pour aller faire juste un de 24 qu'on envoie juste le 16e. Ben, regardez, je ne l'ai pas collé exprès pour vous montrer. Quand j'utilise du papier métallisé comme ça, soit je vais aller couper à ma tranche à l'intérieur, mais là, j'ai fait encore mieux. Tout, tout, tout. Je me suis coupée. Et là, je sais que c'est blanc, c'est parce que d'un côté, il est or, puis de l'autre côté, il est blanc. Je me suis coupée du feuillage. Alors, en plus des étampes que vous avez ici et des découpes qui découpent ces étampes-là, il y a d'autres découpes dans la boîte qui découpent d'autres feuilles. Alors, je vous montre ça. Laissez-moi coller mes morceaux, parce que sinon, je vais les perdre.
Et là, je me suis pris une petite enveloppe transparente et je les ai mis dans mon enveloppe transparente parce que c'était pas là que j'en avais besoin. Mais je sais que je vais en avoir besoin parce que Dieu sait que du feuillage hors Noël s'en vient, les filles! Oui, 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 on est au mois de mai et moi, je vous parle déjà de Noël. Mais je vous dis, ça va aller super bien. J'ai fait ma carte juste ici. Je la mets de côté. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Les étampes se coordonnent avec des découpes, mais il y a aussi d'autres découpes qui viennent faire des formes qui ne sont pas dans les étampes. Alors, vous allez pouvoir les utiliser comme ça. Alors, imaginez, là, c'est hyper facile de faire une carte. Là. Hein? Mettez ça, 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 ensemble, un petit vœu ici, c'est une carte, c'est fait. Facile, facile, facile. Je garde ça dans ma petite pochette. Et cette petite pochette-là, elle va dans mon jeu d'étampes, dans ma boîte, comme ça ici. Je mets ça ici. Alors, quand j'ai besoin de mon jeu d'étampes, souvent, je joue avec ce qu'il y a dans ma petite boîte. Je vais donc vous montrer un petit quelque chose que j'ai fait. Alors, ça, c'est la découpe. Et là, je vais vous trouver quelqu'un, OK? Je vais trouver quelqu'un qui va la commander et qui ne l'aura pas déballé encore. Je n'ai pas été capable de toutes les replacer pour qu'ils rentrent. Okay? C'est tellement tout plein. Il y a tellement de découpes que je n'ai pas été capable de toutes les replacer pour qu'ils collent. Okay? Il y en a trop, ça déborde tout le tour. Je ne sais pas comment c'était arrangé. Je ne l'ai pas pris en photo. Je n'ai jamais cru que je serais mal pris de même. Fait que c'est pour ça qu'ils sont bordéliques comme ça. C'est parce que je ne suis pas capable de ranger. Je suis vraiment mal pris. Mais je vais me trouver une démonstratrice, une amie, je suis convaincue, qui va l'acheter et qui va me le prendre en photo. Prochaine chose que je veux vous montrer, c'est une carte. Hey, j'ai encore du or. Je m'excuse, les filles, c'est vraiment la mode. Regardez l'anneau or. Je vous montre ça ici. C'est les petites découpes que j'avais confectionnées avec mon carton. À cœur vaillant, rien d'impossible, c'est mon vœu. Ici, j'ai des petites pièces en bois. Attendez, je vais vous les trouver. Il y a des petites pièces en bois. Alors, c'est celle-ci que j'ai coupée ici pour en avoir un morceau ici et un morceau là. Il y a des grandes feuilles, il y a des petites feuilles et il y a des petits hexagones avec des petits plus. Ils sont même texturés, les petits plus. Ils sont vraiment le fun. Le feuillage aussi, je ne sais pas si ça va être capable de le voir. Regardez, le feuillage, il est texturé, là, il est embossé. Alors, le bois est texturé, c'est magnifique. Regardez ça. Je mets ça de côté. Je l'ai utilisé pour venir rajouter de la texture sur ma carte. Ici, c'est de l'éponge, celle qui était là avec moi lundi. Alors, j'ai dans mon groupe VIP. Alors, toutes mes clientes qui ont acheté dans les 6 derniers mois sont invitées dans un groupe Facebook VIP. J'ai montré des techniques à l'éponge. Alors, mon dégradé ici, là, il est fait à l'éponge. Vous irez voir dans votre vidéo. Hein. Vous allez reconnaître la technique. Les petites fleurs qui sont ici. C'est mon jeu Célébration. Alors, fleurs attentionnées, il n'est plus disponible. C'était un jeu d'étampe gratuit qu'on avait en janvier, février, mars. Mais dans le prochain catalogue, la perforatrice de la petite fleur revient avec un autre jeu d'étampe qui va aller avec. Alors, moi, j'ai pris mon jeu fleurs attentionnées pour pouvoir avoir de la texture. Je les ai embossées à chaud avec de la poudre transparente. Sur tout, une nouvelle in color. En fait, vous avez deux nouvelles couleurs in color sur cette carte-là. Alors, le jade ici et le magenta qui est ici. Des petites nouveautés. Et le petit cadre, il ressemble à ceci quand il vous arrive. Regardez. C'est des cadres en métal comme ça pour faire des couronnes printanières. Regardez comment c'est beau. Et la petite boue d'étiquette. Oh, je ne me suis pas coupée de carton. Attendez un peu. Il faut que je vous montre ça. C'est vraiment extraordinaire. Il y a une perforatrice. Je m'étais promis de couper du carton, puis je ne l'ai pas faite. Attendez-moi une minute. On va prendre un petit carton. B. Hey, puis là, je suis à l'envers en plus. Ma tranche. Un demi-pouce.
trois quarts de pouce. Puis un pouce. Regardez ça. C'est les trois grandeurs qui vont rentrer dans la perforatrice. Est-ce que ça, c'est bien un demi-pouce? Oui! Le petit bout ici, là, c'était fait avec cette machine-là. Si je rentre mon 1,5 pouce dans le petit trou, ça vient faire un petit bout d'étiquette. Et il y a deux modèles différents, deux bouts d'étiquettes différents. Alors ça vous fait deux sortes d'étiquettes, parce que d'habitude, vous mettez le même sorte des deux bords. Si vous prenez votre carton de trois quarts de pouce, il va s'accoter plus haut dans votre perforatrice. D'un côté, ça va faire cette étiquette-là. Alors, c'est celle que j'ai utilisée ici. Et de l'autre côté, ça va faire ceci. Et si vous prenez un pouce, vous le rentrez dans la machine. Ça va vous faire une étiquette comme ça d'un côté. Et de l'autre côté, allez, pouce jusqu'au bout. Ça va vous faire une étiquette comme ça. Alors, voyez-vous, là, ça vient faire des petits trous de taille. Les filles, vous n'avez pas idée de quoi de l'air mon plancher. J'ai fini de bricoler à 7h-10 et je n'avais pas mangé. Alors, puis je n'avais pas fait ma 10e carte. Alors, comme on dirait chez nous, j'ai mangé une petite pliée au beurre de peanut et j'ai fait ça comme ça. Alors, mon plancher est plein de confettis et de retards pour être capable de faire ma vidéo. Ce qui veut dire qu'avec une perforatrice, trois grandeurs de carton, vous avez 6 sortes d'étiquettes, parce que vous allez faire celle-là deux fois, celle-là deux fois, celle-là deux fois. C'est vraiment hyper intéressant. Hyper économique pour avoir 6 sortes d'étiquettes, 6 grandeurs puis bouts d'étiquettes différents. C'est la façon la plus économique que je connaisse pour pouvoir avoir des étiquettes. Je vais les garder. Je vais sûrement les utiliser plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous montrer sur cette carte-là? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ah! Quand on commence, qu'on reçoit du nouveau matériel, moi, j'ai coupé mon matériel. Vous connaissez ma technique ABC. Alors, j'ai coupé une feuille de chacun de mes In Color. C'est les nouvelles couleurs 2020-2022. En technique ABC pour ne pas avoir de retard. Mais là, quand je suis arrivée faire ces petites fleurs-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est dommage! Ça, c'est mon carton. Et je me suis arrangée pour être capable de venir coller un autre carton B dessus en faisant un cadre. J'ai mis ma fleur assez loin pour être capable de venir le recouvrir. Au même titre qu'ici, j'avais recouvert mes trous de feuillage. Bien, ici, je vais être capable de recouvrir mes trous de fleurs. Je jette rien quand j'ai des nouvelles couleurs. Il y a un nouveau... Je mets ça de côté. Il y a une nouvelle... Comment que ça s'appelle? Ça s'appelle... Un nouveau poinçon méandre de médaillon. Il y a 4 poinçons dedans. Alors, lui, il vient couper une dentelle non féminine. OK? Une dentelle un peu plus carrée, un peu plus... Attendez, je vous la montre. Avec 3 bordures. J'ai combiné ça avec un plioir de petites fleurs. Et attendez de voir ce que ça donne. Tout, 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 tout. Voyez-vous la belle texture que ça vient donner? Là, je l'ai mis ton sur ton. Mais j'aurais pu venir le mettre sur une autre couleur. Je dirais que ça l'aurait ressorti encore plus. Là, j'aimais l'effet ton sur ton. Je suis venue couper avec ma perforatrice ovale dans ma machine de coupe pour qu'on puisse voir mon papier texturé. Alors, c'est mon jeu d'étampe ici que j'ai étampé et découpé sur deux couleurs différentes. J'ai étampé avec la même couleur, mais sur deux cartons différents. Ici, c'est une nouvelle In Color. Alors, je vous présente la troisième. Ah non, je vous l'avais présentée, Jade. J'avais mes petits feuillages de l'autre côté. Alors, une nouvelle In Color.
Ça ici, c'est les petits hexagones en bois qui sont dans le même kit que mes petits feuillages que j'avais ici. Et vous avez le vœu à une amie qui me fait sourire. De la petite ficelle de lin pour donner un petit look naturel. Et c'est fait sur ce carton-là, c'est... Ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas. Macaron. C'est sur du macaron. Et je vous le jure, là, il se découpe merveilleusement bien. Mais ça vous prend une sorte de colle pour être capable de le coller merveilleusement bien. Parce que c'est tout un job. Alors, dans le prochain catalogue, il va y avoir des grandes feuilles autocollantes. Je sais pas où je vais. Des grandes, grandes feuilles autocollantes. Vous collez votre carton dessus, puis après ça, vous passez ça dans votre machine de coupe. Alors, après ça, vous faites juste enlever la partie lustrée, cirée. Et là, ça se colle en entier. Il n'y a pas un morceau qui décolle. OK? Ah non, c'est pas celui-là, j'ai collé avec ça, c'est l'autre. Je vais vous le montrer tantôt. Alors, lui, j'ai juste collé des petits morceaux. C'est mon jaune. Ah, je suis en train de vous révéler une des prochaines cartes qui s'en vient. Je vous mets ça de côté. Et je continue avec mes nouveautés. Je vous rappelle, c'est toutes des nouveautés que j'ai reçues gratuitement. Parce que pendant célébration, en plus d'avoir des primes célébration sur mes achats, pareil comme vous autres, moi, je ramasse des dollars d'achat pour la sortie du catalogue. Alors, j'avais, je pensais, 337 $ de matériel gratuit. Et là, je viens de le recevoir. Il y a un nouveau papier à motif que je voulais vous montrer. C'est celui qui s'agence avec le jeu d'étampe que j'arrête pas de prendre depuis tantôt. Émotion effeuillée. Il y a 12 papiers à motifs. 12 motifs. Alors, ils sont recto-verso. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'en ai pris un petit peu, vous allez voir. Vous avez ces deux motifs-là qui sont recto-verso. Ces deux-là qui sont recto-verso. Et je vous dis, une vidéo, ça ne rend jamais la beauté d'un papier à motif. Ceux-là ici qui sont recto-verso. Ceux-là est, je vous l'avoue, un peu psychédélique. Les fleurs sont grosses, les feuillages sont gros dessus. Je pense que je vais avoir de la misère à l'utiliser, celui-là. En tout cas, ça va me prendre du temps à l'absorber. Mais celui-là, là, oh, qui me parle! C'est le fun qu'il y ait deux côtés au papier à motif. Quand il y a un côté qui ne nous parle pas, il y a toujours un côté qui nous parle un peu plus. Alors, comme vous pouvez voir, ce côté-là m'a parlé parce que j'en ai déjà coupé un morceau. Voici deux autres papiers à motif. C'est le fun parce qu'il y a du feuillage souvent d'un côté, puis de l'autre côté, de quoi de plus neutre, je dirais. Alors oui, il y a des grosses feuilles sur cela, mais lui, je me vois l'utiliser facilement. OK, oui. Et mon préféré d'entre tous, c'est celui-là. Ça nous en prend des préférés, hein? C'est un des nouveaux papiers à motifs double face qui s'agence avec émotion effeuillée. J'ai pas beaucoup de jouets encore avec. Vous allez voir, je l'ai utilisé un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce que vous avez envie de voir les nouvelles in color? Moi, j'ai acheté un paquet de cartons in color. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Quand vous achetez vos cartons chez Stampin' Up, achetez-les en paquets mélangés. Alors, il y a des familles de couleurs, des collections. Dans les collections, il y a 10 couleurs. Alors, vous allez avoir deux feuilles de chacune des couleurs. Dans les couleurs in color, alors les couleurs de l'année, je dirais, il y a 5 couleurs. Alors, pour avoir 20 feuilles, ça vous fait 4 feuilles de chacune des couleurs. Malheureusement, je ne me souviens plus des noms des couleurs. Alors, je vais les appeler par bleu. Lui, je me souviens qu'il y a magenta dedans. Ça, c'est jade. Ça, je ne sais pas. Et lui, c'est bourdon. Attendez un peu, ça en vient. Le jaune, c'est bourdon. Je vous présente donc les nouvelles in color de cette année qui vont rester avec les 2019 à 2021. Alors, il y a 5 in color. Attendez, je vais vous les montrer dans le catalogue parce que je ne peux pas vous montrer mon nouveau catalogue. J'ai failli faire une gaffe.
qui veut dire que ces couleurs-ci s'en vont. Alors, si vous en avez besoin, c'est le temps là, de faire venir vos angles, vos cartons, vos recherches, vos marqueurs. Là. Ça s'en va du catalogue. Alors, il va rester rose rococo, tomate, pan-pan-pan, souffle d'écume, plume de parme et les 40 couleurs traditionnelles, je vous dirais. Là. Et ça, ça va être les 5 nouvelles in color. Elles sont délicieuses. Elles sont joyeuses. C'est les couleurs qu'on va avoir dans le prochain Paper Pumpkin. Alors, celles qui se sont abonnées au Paper Pumpkin, malheureusement, il n'en reste plus. Alors, si vous voulez vous abonner au Paper Pumpkin, il va falloir attendre au 11 mai parce que celui qui va être posté le 10 mai, il n'y en a plus disponible, mais trop de monde se sont abonnés. Il avait de l'air trop beau. Les previews étaient vraiment trop beaux. Voici donc les couleurs. Et je me suis amusée avec chacune des In Color. Alors, j'ai des cartes de confectionner avec les In Color. Et ça vous donne des petits échantillons, des papiers à motifs. Oh! Jessica a les noms des... Elle vient d'écrire en commentaire les noms des couleurs. Merci, 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 merci. Première carte toute simple en magenta avec la belle étiquette que je vous parlais. Ça ici, là. Voyez-vous, c'est mon étiquette. De la ficelle planche. Mon nouveau plioir fleuri. Vous allez le voir beaucoup. Je le trouve très, très beau. Ça, c'est un nouvel accessoire. Regardez. C'est dans les couleurs In Color. C'est des pois laqués. Alors, vous avez toutes les couleurs In Color en petits pois laqués comme ça. Alors ici, j'ai utilisé le bleu pour venir compléter mon rose. Et là, dites-moi pas que mes fleurs sont à l'envers. Je m'en suis rendu compte une fois tout collé. OK? Mon papier à motif de fleurs, là, il aurait été plus beau sous ce sens-là. OK? Mais là, tout était collé que je me suis rendu compte. Puis il était... 8h-10, c'est la dernière carte que j'ai faite. Alors, j'ai eu un petit peu de panique. J'ai dit, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Le petit bonjour vient du feuillage. Émotion effeuillée. Et ça ici, ça vient du bloc de cartes et notes. Alors, vous savez, là, ce qu'on utilise théoriquement pour faire du scrapbooking, là, alors, pour faire du Project Life, il existe des petites cartes et notes. Je les ai placées pour qu'on puisse voir les deux côtés. Ça se récupère super bien pour faire de la carterie. Puis, je vais vous montrer encore mieux que ce que moi, j'ai fait. Je vous montre les deux côtés des papiers. Voyez-vous, là, un vœu écrit là-dedans, là, vous avez une carte vraiment bien commencée. Il y a même du Noël. C'est vraiment toutes les saisons qui sont dedans. Alors lui, ben, il y a un petit vœu en anglais. C'est soit vous venez mettre un vœu en français en le coupant ou vous utilisez l'autre côté qui est trop, trop beau. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de mots en anglais. Puis souvent, quand il y en a, ils sont faciles à venir cacher. Et c'est garanti que de l'autre côté, il n'y a pas de mots. Il n'y a jamais une carte qui a des mots des deux côtés. Regardez ici, c'est facile à venir cacher. Là, hein? Je vais mettre un petit carré blanc avec un autre mot. Parce qu'on ne peut pas perdre ça. Là. C'est vraiment trop beau. Là. C'est trop facile de venir faire des cartes avec ça, les filles. J'en ai deux. Là. Je suis en train de vous en faire perdre une. Là. Ça s'utilise pour faire des cartes. Ça s'utilise pour faire du scrapbooking à pochette. Moi, c'est la forme de scrapbooking que je fais le plus. C'est hyper facile. On glisse les photos, on glisse ces petites cartes-là, on écrit 3-4 mots, c'est fait. Il n'y a pas de scrapbook plus vite que ça. Ici, là, regardez, on vient se mettre un rond avec un autre vœu, puis c'est fait. Stampin' Up! A des cartes et des enveloppes pré-rainurées qui s'agencent avec ces grandeurs-là. Alors, vous collez ça sur le devant de la carte et c'est fait. Attendez, j'en ai des pas loin. Ah! Oh, pourquoi j'ai pas pensé ça? C'est vendu dans le catalogue présentement, mais on les voit jamais, ça va bien. C'est blanc. C'est invisible. Ça, c'est la grandeur des grandes cartes qui sont ici. Dans l'eau, vous avez des petites cartes. Hein? Encore des modèles! Vous avez des grandes cartes puis des petites cartes. Alors, ces grandes cartes-là entrent directement, voyez-vous, là, le petit cadre est déjà fait, là. Directement sur les grandes, puis
Il y en a des petites, mais là, je pense que j'ai sorti mon paquet de grandes. Mon paquet de petits, c'est la même affaire. Mais ajusté à ces petites notes-là, ça fait des mini-cartes cadeaux. Super rapide à faire. Coller ça sur vos cartes blanches. Ça, c'est les 4 par 6 qui collent sur les enveloppes que je vous ai montrées ou que vous allez mettre dans vos albums de scrapbooking. Regardez le love ici, là. Une petite étiquette, bonne fête des mères. Ma carte est faite, là. C'est gagnant. C'est très, très gagnant. Regardez comment c'est beau en bleu, comme ça, monochromatique. Ici, hein, on vient se mettre un autre rond. C'est facile de venir cacher ça. Tu sais, je les ai tournés de bord vite, 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 puis j'ai mis ça là-dedans. J'ai pas eu le temps de les regarder. Ah, j'aime ça, la grosse étiquette. C'est vraiment beau. Un autre. Regarde, il y a ça ici, là. On se met un gros rond pour venir cacher ça. Ah, oh, puis il y a même des autocollants. Alors, il y a des étiquettes, des fleurs qui sont coupées, là. Hein? On aurait juste à venir les prendre comme ça. Et il y a quelques petits mots. Il y a beautiful, il y a un et, il y a happy, il y a du feuillage. Moi, je vais prendre celebrate. Je coupe le A puis le T, ça fait célèbre. Lovely, j'enlève le L-Y, ça fait juste love. C'est plus facile à venir utiliser. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous allez pouvoir utiliser dans les autocollants, même si vous n'utilisez pas d'anglais dans vos projets. C'est donc de là que j'avais pris mon papier à motif que j'ai sur ma carte ici. Alors, c'est pas vraiment du papier à motif. C'est cette petite carte-là que je suis venue en couper une bande pour venir faire ma bande de papier à motif. Juste là. Non, ça, ça va là. Ça, ça vient ici. Première couleur in color que je voulais montrer, c'est le magenta. La deuxième couleur, et là, je suis en train de... Alors, j'avais mis un beau petit fil, mais là, il est comme sorti de sa place parce que j'ai accoté ça trop vite dans ma boîte. Tiens. Deuxième couleur, c'est, je pense, cannelle que ça s'appelle. C'est encore fait avec émotion effeuillée. Et ça, là, c'est les feuilles or, mais à l'endos. J'ai oublié de vous montrer ça. Ces feuilles or-là, j'ai essayé du côté or. Avec le cannelle, là, c'était bien ordinaire. Ces feuilles or-là, si vous les tournez de bord, vous pouvez les utiliser du côté blanc. Regardez ça. Alors, c'est mes feuilles or, parce que regardez, or sur cannelle, c'était bien ordinaire. Mais du côté blanc, c'était très, 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 très joli. Avec mon petit feuillage. Ça, c'est ma petite feuille en bois que je suis juste venue glisser, comme vous pouvez voir. Hey, j'ai travaillé vite. Je ne les ai pas collées. En fait, j'aurais aimé la coller, mais je ne trouvais plus mes mini glue dots dans mon bordel. Alors, en poussant tout à terre, je suis tombée sur mes mini glue dots. Alors, je vais venir me gâter. Venir le coller avant de la perdre. Mon joyeux anniversaire, il est encore dans mon jeu de fleurs que je vais broyer quand il ne sera plus dans le catalogue. Ben, c'était tellement... Toutes mes clientes qui débutent, qui me demandent « Nancy, c'est quoi le premier jeu d'étampe que j'achète? » C'est tout ça que je leur fais acheter. Là, il va falloir que je me trouve un autre jeu d'initiation, je dirais. Là. Il y a tous les vœux, des fleurs, il est facile à utiliser. Il va falloir que je me trouve un nouveau jeu d'initiation. Mais tout ça pour dire que je l'ai utilisé. Ici, avec le papier à motif et de la ficelle de lin. Vous allez revoir beaucoup de choses qui reviennent. C'est parce que je n'avais pas le temps de refaire à chaque fois puis de ranger. Alors, tu sais, c'est mon retail de là que je suis venue utiliser là. C'est mes retails d'ici là, que je suis venue utiliser là. J'avais essayé ce vœu-là ici, mais je ne l'ai pas aimé. Je l'avais gardé, je l'ai remis. OK, voyez-vous, là, c'est de la récupération qui m'a permis de faire 10 cartes en reprenant ce qui restait, qui traînait sur ma table de travail. Ça, c'est mes restants. Quand je vous disais les belles feuilles que j'avais pris ici, là, en arrière, je me suis coupé des belles feuilles. Eh bien, ils sont ici. Et là, est-ce que c'est collé croche? Pensez coller un petit peu croche. Je pense que ça va être mieux comme ça. Et ça, c'était un félicitation qui traînait dans ma petite boîte à retail!
fille. Et j'ai eu le temps de trouver le jeu des tempes. Alors, ce félicitation-là vient de Laconinufar. C'est un jeu des tempes qui se retire du catalogue. Les vœux dedans sont merveilleux. La police d'écriture est belle. Regardez, une carte de félicitation. Hyper simple à faire, là. C'est du papier à motif. Deux découpes pareilles, mais pas dans la même couleur. Finalement, le jade, ça, c'est ma couleur jade. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec du or, c'est magnifique. Ensuite, j'ai sorti mes Stampin' Blends. Finalement, j'ai sorti un nouveau jeu des tempes. Il était temps que j'en sorte un nouveau parce que j'en ai pas juste reçu un. Là, j'arrêtais pas de jouer avec le même. Je me suis dit, vite, vite, sors un autre jeu des tempes. Alors, c'est un autre des jeux des tempes que j'ai reçu gratuitement. J'aurais pu attendre que le catalogue sorte le 3 juin pour utiliser mon 337 $ de matériel gratuit que j'avais. Mais là, tu sais, avoir une commande gratuite en plein milieu de la pandémie, c'était très, 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 très agréable. C'est donc le jeu des tempes que j'ai utilisé avec mes Stampin' Blends. Je me suis amusée à venir colorer avec mes Stampin' Blends. Et j'ai réutilisé, et c'est là, là que vous ne serez pas capable de le décoller. Regardez, là, tous les petits collants sont collés parce que je suis venue utiliser la feuille d'autocollant. Alors, ce que j'avais fait tantôt en bleu, j'avais coupé un ovale. Bien là, je suis venue me le couper en jaune. Les filles, écrivez ça dans votre agenda. Écrivez ça dans le ciel. J'ai fait une carte à la base jaune. C'est la première du catalogue 2020-2021 et c'est sûrement la dernière. Je ne fais jamais, mais jamais de carte de base jaune. Je la trouve super belle, mais c'est pas naturel d'aller chercher pour moi du jaune. OK? C'est vraiment pas naturel pour moi d'aller chercher du jaune. Alors, j'étais un petit peu pris avec l'idée que je voulais faire une carte de chacune des in-color. Fait que là, j'ai été obligée d'en faire une jaune. Puis je l'aime! Je suis donc venue étamper ces fleurs-là avec les tiges qui sont ici. Je les ai découpées avec ce que moi j'appelle étiquette logange. Je suis sûre que ça a un autre nom. Ça, c'est dans le catalogue. Ça revient dans le prochain catalogue. C'est un classique avec la petite couture ici. C'est magnifique. Et j'ai coloré. Alors, pour celles qui aiment les belles combinaisons de couleurs, c'est Narcisse Délice, Fruits des bois et Vert olive. C'est comme ça que j'ai réussi à faire les beaux dégradés de couleurs. C'est avec les Stampin' Blends. Bonjour Marissa! Là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont posé des questions, puis je n'ai pas pensé de regarder mon téléphone. Je vais finir. Je pense qu'il me reste une ou deux cartes. Puis après ça, vous m'écrirez toutes vos questions en ligne, puis j'y répondrai. Moi, je suis veillée bien nette. Puis là, ben, je parle, puis je regarde pas pendant toute ma caméra. Je viens de me rendre compte qu'il y avait des messages qui passaient. J'ai pris ce ruban-là. Je vous le dis, là, ça vous le prend. Il est dans le catalogue, dans le mini-catalogue du printemps. Ça s'appelle, là, du galon de jute tressé pour faire des cartes masculines, les filles, là. Je sais, ma carte n'a pas vraiment fini masculine parce que je suis allée prendre du mauve. Je voulais prendre du bleu, puis ça a comme dérapé. Ça arrive souvent que je dérape. Parce que ça aurait pu faire une carte masculine. Mais bon. Et mon félicitation, les filles, si vous n'avez pas ce jeu des tempes-là, je le sais, il n'est pas sexy dans le catalogue. Mais ça donne l'illusion que vous avez embossé en blanc sur du carton blanc où vous avez utilisé les anciens Dymo, c'est la grosse, grosse, grosse mode. C'est hyper facile. Et si je ne me trompe pas, il est en spécial. Attendez un peu. Je ne veux pas vous mentir. Alors, si vous voulez passer une commande, il y a des gros spéciaux. J'ai fait une vidéo ici sur YouTube il y a deux semaines. Si vous allez sur ma chaîne, là, vous allez voir ça. Il y a des gros, gros spéciaux. Je les ai toutes montrées dans le catalogue. Oh, j'aurais donc dû sortir la page. C'est quelqu'un qui sait c'est à quelle page ce jeu des tempes-là? Puis là, ben, plus je regarde vite, moins je le vois. Il me semble qu'il est à gauche. Il me semble qu'il y a un gros spécial dessus. J'ai comme plein de clientes qui l'ont acheté dans les deux dernières semaines. Fait que d'habitude, c'est parce qu'il y a un gros spécial dessus. Lui, ce jeu des tempes-là, il y a 60 % de rabais dessus. Il revient à, je pense, c'est 8,40. Non, tant qu'à tourner les pages.
Il est ici, il est à moitié prix. Alors, au lieu de 23 piastres, il est 11,50. Vous avez un petit cadeau pour toi. Allô, merci, joyeux anniversaire, félicitations, bien joué. Des arrière-plans, ça vous le prend. Je vous le dis, les filles, là, ça vous le prend. Vous allez toujours avoir ça dans les mains. Il y en a deux autres aussi qui sont en spécial. Alors, trois autres. Il y a lui, bordé de gentillesse, qui est à 60% de rabais. Si vous n'avez pas de catalogue Stampin'Up, les filles, si vous n'avez pas de démonstratrice que vous connaissez, écrivez-moi en commentaire ici. Je veux un catalogue, je vais m'arranger pour être capable de vous écrire. Écrivez-moi sur mon site web. Attendez un peu, c'est encore plus facile. Attendez un peu. Allez, là, je vais prendre mes Stampin' Blends, je ne peux pas croire. Vous allez sur mon site web, Carterie Artisanale. Il y a un petit bouton qui s'appelle Contact. Cliquez dessus, écrivez-moi. Il m'en reste quelques-uns des catalogues. Vous allez pouvoir profiter des spéciaux. Ici, il y a un 50% de rabais. Et les petits animaux sont à 60% de rabais. Ils sont super beaux. Oui, il y a des joyeux sports, mais il y a aussi Bienvenue dans ce monde, petit poussin. Alors, ça fait super beau pour des cartes de bébé. Puis, des cartes de Pâques. Tu sais, il va revenir un Pâques l'année prochaine. Il y a des gros, gros spéciaux là-dedans. Ça pour dire que, bon, félicitations, je ne l'ai pas embossé, j'avais pas le temps. Alors, j'ai juste venu étamper ça, puis ça m'a donné l'illusion d'un daimo ou d'un embossage sur du carton noir. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'était le jaune. Et là, la dernière carte, je voulais la faire en bleu. J'avais sorti mon bleu, mais elle n'a pas tourné bleu. Alors, ça n'a pas marché. Ce qui veut dire que le bleu, c'est lui. Mais j'ai essayé de faire en bleu ma prochaine carte, puis j'ai pas été capable. J'aurais aimé ça. Mais là, considérez que ça, c'est ma carte bleue. J'essayais d'avoir des cartes dans les In Color où la couleur majoritaire, c'était la nouvelle In Color. Tu sais, j'aurais aimé ça. Là, finalement, cette carte-là, il aurait fallu que je la fasse sur une base bleue pour qu'elle fasse mon affaire. Là. Tu sais, pour que j'aie l'impression d'avoir réalisé mon projet de 5 cartes In Color. J'avais gardé mon bleu pour le prochain projet, puis je n'ai pas été capable de le faire en bleu. Le lilas m'a trop appelé. Alors, c'est comme si j'avais une demi-victoire ici, là. OK? Là, je viens de voir une question. Là. Comment s'appelle ton kit d'étampe du trousseau? Je vais vous montrer ça. Alors, j'avais une petite déception, finalement. Je la trouve super belle, la prochaine carte que je vais vous montrer. Mais si j'avais été capable de la faire en bleu, ça me serait fait ma journée. Mais je n'ai pas été capable. Mais attendez de la voir. C'est vraiment cool! Avant de vous la montrer, je réponds à la question. Le kit pour quelqu'un qui commence. Mon kit préféré, c'est Ravissant Bouquet. Vous avez des tiges, des feuilles, des branches, des petites fleurs, des moyennes fleurs, des grosses fleurs, des boucles, du papier qui tient le bouquet de fleurs. Puis plein de mini-fleurs et de feuilles, puis plein de vœux qui font toute l'année parce que vous avez les anniversaires, les remerciements, les félicitations, les amitiés, les mariages. Je vous dis, il manque juste Noël. Son nom. Hein? Bouquet. Ravissant Bouquet. Et le numéro, c'est le 144-385. Mais ça, de toute façon, quand vous passez votre première commande Stampin' Up, vous m'appelez, puis je vais vous guider. OK? C'est la meilleure façon d'avoir de quoi d'équilibrer dans votre première commande. Vous allez sur carterieartisanale.com, là, sur le petit onglet Contact. Écrivez-moi, on va s'appeler. Ma dernière carte, ma dixième. Je suis vraiment rendue à 10? Attendez un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh oui, je suis vraiment rendue à 10. Je peux pas croire que ça a pris 3h30 à faire puis que ça va prendre 25 minutes à vous montrer. La dernière que j'ai fait, c'est encore avec le nouveau jeu d'étampe, avec le beau bouquet ici. Et là, restez, hein, après cette carte-là, j'ai d'autres jeux d'étampe, d'autres papiers à motifs que j'ai pas eu le temps d'utiliser que je veux vous montrer. OK? Je vous avais promis, je vous montrerai toutes mes nouveautés. J'avais espoir de toutes les utiliser, mais je me suis accrochée les pieds dans le premier jeu d'étampe. Fait que j'ai comme pas eu le temps de me rendre jusqu'au dernier. Et là, regardez. Regardez. Ah ah, là, vous voyez. Il y a un vrai pot maçon. OK. Un petit plastique, puis regardez avec la grandeur de ma main. Ouh, ça paraît que j'ai travaillé dans le verre aujourd'hui! Regardez, le vrai pot maçon, j'aurais pu le remplir de confettis, puis les brasser.
Mais là, je voulais vraiment avoir le look de l'eau. J'ai étampé cette fleur-ci. Ah, oh, faut que je vous montre. Quand j'ai ouvert le jeu de temple, là, la face m'a tombé à terre. Regardez bien ça. Le jeu de temple arrive sur des feuilles transparentes. Et les images du jeu de temple sont dessinées sur l'emballage. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir ça qui flotte partout, puis que vous avez tout le temps peur de le perdre, quand vous recevez votre jeu d'étampe, vous jetez cette feuille-là, vous collez ça ici. Là, j'en avais un autre feuille transparente comme ça, parce que ces trois images-là, je devrais aller les coller ici. Mais vu que je me suis déjà fait un masque avec du post-it, je ne veux pas le jeter ou l'abîmer, alors. Je viens mettre ça ici pour me faire de la place pour mon masque que je conserve. Et ça, vous gardez ça, les filles! Vous allez en avoir besoin pour venir mettre des confettis là-dedans. OK? Ou pour faire plein d'autres feuilles. OK? Ça s'appelle du papier fenêtré. Quand vous voyez une de mes techniques, surtout dans la Stampin' Academy, celle qui tripe scrapbook, là, carterie, là, sur carterieartisanale.com, il y a un bouton qui s'appelle... ce que nous, on appelle la SA. Alors, la Stampin' Academy. C'est un groupe Facebook qui existe depuis plus de 4 ans. Chaque semaine, je fais une vidéo de niveau intermédiaire et avancé avec les notes dactylographiées en pouces et en centimètres. C'est toujours, tu sais, si vous aimez ce que j'ai fait là, c'est rien comparé à la Stampin' Academy, OK? Stampin' Academy, c'est des cartes vraiment hot. Alors, c'est 15 $ par mois et vous avez accès à tout ce que j'ai fait dans les 4 dernières années. Alors, pour 15 $ le premier mois, vous avez accès à 200 vidéos. Ces 200 vidéos-là restent accessibles tant que vous restez membre de la Stampin' Academy et j'en ajoute 4 à chaque mois, un à chaque semaine. Alors, c'est pour ça que je garde mon papier fenêtré puis je sais que je vais l'utiliser dans la Stampin' Academy. Je suis donc venue étamper mon vase, en fait, mon pot maçon. Après ça, je suis venue étamper l'eau dans mon pot maçon. J'ai tourné mon étampe de bord. Alors, au lieu d'étamper le contour avec les petites lignes, je l'ai tourné de bord pour venir étamper le fond. Finalement, à venir étamper ce qui d'habitude est sur mon bloc d'acrylique. C'est venu me faire la couleur de l'eau. Oh! Je vous ai pas montré! J'ai pas coupé ça à main, les filles! Regardez la belle perforatrice! Il y a une perforatrice qui vient faire le pot maçon! Regardez bien ça. Faut que je vous le montre. Je capote trop. Regardez ça. Alors, vous avez votre pot maçon que là, j'ai perforé croche, mais c'est pas grave. Et là, j'ai acheté une petite boîte. Juste la boîte. Ça s'appelle des dômes à secouer pot maçon. Alors, pourquoi à secouer? C'est parce que d'habitude, on met des confettis ici pour pouvoir les shaker. Moi, j'avais pas le temps de faire des confettis. Puis j'en avais pas des bonnes couleurs. Alors, il a fallu que je m'efface. J'avais pas le temps. Alors, vous prenez votre petit dôme. Ça ici, c'est un autocollant. Alors, c'est la partie, je dirais, glacée. Alors, vous enlevez ça. Vous venez coller ça par en dessous. Toutoum! Vous venez mettre vos petits confettis. Toutoutoutoum! Et vous fermez le tout parce que vous enlevez cette partie-là, ça va être collant, puis vous le fermez. Ça vient vous donner votre petit pot maçon comme ça. J'ai coloré avec mes crayons d'aquarelle, mais sans aller prendre, je dirais, des outils pour les aquareller. Alors, j'ai coloré comme si c'était des crayons, pour ne pas les nommer comme si c'était des crayons Crayola, finalement. Là. Mais c'est plus... c'est plus doux, plus gras. Fait qu'on voit moins les traits de crayon. Mais ça, j'ai coloré, tout simplement. Et mon petit merci vient encore de Étiquette-moi. Je vous le dis, c'est un gros, gros, gros dépanneur, ce jeu d'étampes-là. Alors ça, c'est une des in-colors de cette année qui reste. Alors, j'aurais aimé le faire en bleu. Comme je vous ai dit, j'aurais aimé ça avoir une carte bleue, une rose. Puis là, ben, j'ai essayé de la faire en bleu, puis mon cerveau ne voulait pas. Il voulait la faire en lilas. Je l'ai donc faite en lilas. Mais si on récapitule, j'ai
mais in color. Ah, je vais vous montrer ça. Ah, il y a une affaire que je ne vous ai pas montré. Attends un peu. J'ai mes 10 cartes, mais regardez bien ça. Tantôt, je vous ai montré. J'aurais dû les montrer tantôt. Tantôt, je vous ai montré les petites cartes 3 pouces par 4 pouces pour faire du scrapbooking ou des mini-cartes blanches. Bien, il y a des cartes préfaites en couleur in color. Alors, les cartes ont un peu plus que 4 pouces par 6 pouces. Vous avez les enveloppes. Regardez avec les revers des enveloppes, comment ils sont beaux. Moi, une belle enveloppe, là, ça vient de faire mon bonheur dans la vie. Alors, les enveloppes sont blanches, mais le papier à motif est à l'intérieur. Regardez bien ce que vous faites avec. Si vous vous initiez à la carterie, regardez bien ça. Vous prenez une des petites cartes. Vous collez ça. Regardez, là, il y a les petits carreaux, là. Vous collez ça ici. Vous venez vous faire une petite étiquette de moi ou n'importe quelle étampe que vous avez un vœu dans une étiquette. Et c'est fait. Regardez. Venez. N'étampez juste ici. Regardez. Ça se fait tout seul. Vos cartes se font tout seul. Vous venez tamper votre vœu ici. C'est fait. C'est vraiment le combo de base. Enfin, je pense que je viens de trouver mon combo de base pour cette année. Ces cartes-là, avec les enveloppes qui viennent avec. On en a dans le catalogue présentement. On a un kit masculin. Le même principe, là. Un kit masculin avec des fards, des choses de la mer, puis un kit féminin avec des fleurs. Alors, ça revient l'année prochaine, le principe là, des cartes et notes qui vont ensemble. Je vous sors la boîte de choses que j'ai pas eu le temps de toucher. J'ai vraiment pas eu le temps d'y toucher. Il y a un jeu d'étampes qui s'appelle Espoir et réconfort. Je suis contente de l'avoir reçu. La semaine prochaine, nous, les démonstratrices Stampin' Up, on a un congrès de 3 jours sur le web. Et on nous a dit qu'on nous montrerait des projets, des idées avec ce jeu d'étampes-là. Alors, je vais pouvoir comme bricoler en même temps puis les avoir. Espoir et réconfort. Il y a Espoir et réconfort qui est écrit ici. Je t'envoie un câlin en papier. Parfois, les mots nous manquent. Je t'aime et je pense à toi, tu sais. Ici, le faux fil. Ici, c'est des faux séquins, des petites perles, du feuillage, des textures. On aime ça, des textures. Ça rend le carton moins lisse, moins plat. Là, ici, le carton, là, il n'est pas lisse. Je l'ai texturé dans un plioir. C'est donc un jeu d'étampes que je vais devoir apprivoiser dans les prochains jours. Et là, les filles, attachez-vous. Attachez vos culottes avec de la broche. Je vous montre le papier à motif du catalogue. Que quand je l'ai vu, j'ai même pas regardé le... OK, j'ai pas regardé le prix. Et j'ai même pas regardé ce qu'il comprenait. OK? Je pensais que c'était un kit de papier à motif normal. Ce que j'entends par normal. Là, je regarde partout, j'ai la face qui se promène. Les papiers à motif de Stampin' Up habituellement... Oups! Je vous ai accroché ça. Habituellement, les papiers à motifs de Stampin' Up, ils ont 12 papiers à motifs. Alors, 12 motifs différents. Ils sont recto-verso. Ben là, il n'y en a pas 12. Regardez la pile qu'il y a. Il y en a 24! Et c'est pas du petit papier fin, 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 là. C'est la même qualité de papier que les papiers où il y en a 12, mais là, il y en a 24. Je les ai toutes mis recto verso pour que vous voyez les 24 motifs. Ce sont des photos de texture. C'est tout simplement malade. Ça s'utilise avec toutes les couleurs de carton. Ça vient ajouter de la texture, du volume. Regardez ça, les belles briques! Alors, des cartes masculines, des cartes féminines... Du bois, là, ma fille va être jalouse. L'année passée, il y a 2 ans, on avait du papier à motif avec du bois. J'en avais acheté un paquet à ma fille. Puis là, elle n'a plus. Fait que là, elle va vraiment vouloir voler mes feuilles. Regardez! Regardez le faux fini de peinture.
C'est malade. Je vous le dis, là, on a presque envie de passer notre doigt tellement on voit la texture dessus. OK? Regardez. Ça doit être un tapis. Il est détaillé, là, je sais. Je sais, mon cellulaire, là, ça fait pas des super vidéos. Vous voyez pas super bien la texture du tapis. Mais c'est magnifique. Ça doit être une tapisserie, parce que quand on voit un pli ici, il y a des plis dedans, là. Ça donne le look vieillot. C'est beau, c'est beau! Hey, je suis en train de mentir. Ah non, c'est parce que j'ai mis deux fois le même côté du papier. On continue! Ici, des petites briques. Chez nous, mon foyer à la maison, en haut, c'est des petites briques comme ça qu'il y a. Une feuille très, très large. Alors, il y a plusieurs textures de bois. Regardez, là. C'est toutes des planches de bois différentes. Plus foncées, plus pâles, plus larges, plus chaudes, plus froides. Toutes des bois différents. Et j'essaie de ne pas faire tomber mon papier à motif. Je le tasse, puis c'est glissé. Oh, mon Dieu, reste ici. C'est trop beau. Un autre tapis, j'imagine. Ah, regardez. Une fois coupé, là, je vous dis, les filles, oh, regardez comment c'est beau! Vous allez en rêver cette nuit, les filles, je le sais. Ça, là, vous allez me dire, c'est quoi? Je le sais pas. C'est peut-être de la céramique, mais en tout cas, c'est en forme de chevron. C'est comme si c'était perlé, puis moi, c'est beau, là. Ça n'a pas de sens, mais je sais pas c'est quoi dans la vraie vie. Hey, un autre peinture texturée. Coupez comme ça, là, au lieu d'un carton blanc, là, vous étampez votre image là-dessus. Là. Ça est beau! D'autres formes de briques. Mais ça, je pense que c'est du beau ou de la brique? Non, c'est de la pierre. C'est de la pierre naturelle, ça. Une autre texture de pierre naturelle. Une autre texture de peinture. Mais dans les tons de bleu, cette fois-ci. Oh! Comme vous pouvez voir, je les ai juste virés de bord. Je n'ai pas vraiment pris le temps d'y regarder. C'est des céramiques posées en chevron. C'est du marbre posé en chevron. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Du bois plus pâle. Encore un tapis. Ah, c'est wow, les filles, vous n'avez juste pas idée. Hey, 24 motifs dans le même kit, toutes qui s'agencent ensemble. Regardez! Ça aussi, c'est de la céramique. On voit les petites... Ah, c'est des mini tuiles avec les petits coins en petites fleurs. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça n'a pas de sens. Un autre bois pâle, mais plus chaud. Regardez. Un autre bois pâle, mais il n'est pas pareil. Ah, de la pierre naturelle. C'est-tu beau, rien qu'un peu? Et, comme d'habitude, vous avez toujours les couleurs qui s'agencent avec votre papier à motif. Alors, je vous remontre. Mes cartes, s'il y en a qui ont des questions. Oui, effectivement, Martine a dit on ne peut pas couper là-dedans, c'est bien trop beau. Je vous remonte mes cartes. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Avant que j'aille souper sur le sens du monde. Parce que ma petite plie au beurre de peanut, elle commence à... Attendez un peu. Hey, j'en ai-tu vraiment 10? Ben oui, attendez un peu. Faut que je me tâche. Je serais pas capable de toutes les montrer. Ah! Je savais que ça finirait par tomber. Ah non, ça rentre pas tout. J'en ai trop fait. Tiens. J'en ai vraiment trop fait. Ma journée a été trop productive. Hey, on aime-tu ça dire ça dans la vie? Ma journée a été trop productive. Alors, dernier appel, là, je regarde les commentaires, si les filles, vous avez des questions sur ce que je vous ai montré. Si vous voulez avoir un catalogue, si vous ne connaissez pas de démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez me rejoindre sur mon site web, carterieartisanale.com. Il y a un petit bouton qui s'appelle « Contact ». Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous faire partager ma passion de la carterie. Merci, les filles. Merci, merci. Merci pour les bons mots. Envoyez-moi des petits thumbs up, tu sais, sur YouTube, là, quand on fait une vidéo, vous pouvez mettre des petits thumbs up. Envoyez-moi des petits thumbs up. Ça active YouTube. Ça va disperser, je dirais, ou diffuser ma vidéo en live auprès d'autres passionnés francophones de carterie comme vous, comme nous.
Je vous souhaite une excellente soirée créative. Venez me rejoindre. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Passionnés de carterie. Alors, c'est un groupe où on partage nos idées. J'y fais des vidéos toutes les semaines de carterie. Alors, on vient de me demander le numéro du papier à motif. Alors, mais là, vous ne pourrez pas commenter avant le 3 juin, les filles. Là. Mettez ça sur votre petite liste de rêves. Là. Le 152-494. Le 152-494, ça va sur votre liste de rêves. Passez une excellente soirée. On se revoit sur mon groupe Facebook de Passionnés de carterie. Sinon, ben à la prochaine sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je fais des vidéos. Et si vous voulez avoir un petit message sur Messenger pour vous avertir quand est-ce que je prévois faire une vidéo, vous pouvez sur carterieartisanale.com à gauche. Il y a un carreau bleu. Vous écrivez votre... vous communiquez avec moi là, via Messenger, puis ça va vous mettre sur ma liste de contacts Messenger. Passe, ah, il est 3 heures du matin, il y a du monde en France qui me regarde. Les filles, vous êtes folles, 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 ça n'a pas de sens. Passez une excellente soirée et on se revoit demain. Demain, dans Passionnés de carterie, à 11h, je fais une vidéo. Alors, on se revoit demain à 11h. Les vidéos restent sur mon site, sur mon Facebook, alors vous allez pouvoir les voir en replay, en rediffusion pour celles qui ne peuvent pas être en direct. Alors, c'est vrai, il faut que j'éteigne ça. Je n'ai pas l'habitude avec ça. Ah, bonne soirée. Ah oui, ça marche comme ça. Bonne soirée, les filles. Bye-bye.